Et bonjour tout le monde, c'est Staz. Et on se retrouve. On se retrouve pour la suite de notre épisode sur Skyrim, qui va être l'épisode numéro 3. Et c'est ça. On va continuer avec notre super nordique. Notre nordique bien musclé. Et on s'était arrêté devant une mine, je crois. Ouais, une mine. Alors, la mine de Rouge Braise. On était sorti d'Elgen. Vous verrez par la suite pourquoi je l'appelle. Pourquoi j'avais pas ramassé? Après avoir T-bag ce magnifique petit bandit. Hein, t'es beau toi. Oui, t'es beau. Allez, go. Ah, c'est ça, Rouge Braise. Une cagette assez rigolote au début. Toi là, va-t'en. Bon, c'était nul, je me casse. Fais-le bien. Vas-y, va. Je t'ai dit. Taras. Mais en plus, c'était tellement prévisible. Et je ne l'ai pas vu. Vous n'avez pas peur que n'importe qui vienne se balader ici? On ne peut pas dire que l'entrée soit secrète. Encore cette histoire? Je vous ai dit que quelqu'un montait la garde. Et n'oubliez pas ce piège de rocher qui... Ta gueule! Et ta gueule! Qu'est-ce que vous aviez? Lingots de fer, lingots de fer et une bande de cuir, on fait des dagues de fer. Les dagues de fer, ça demande beaucoup l'aptitude de forge. Et ouais. Putain de logique, ma gueule. Cascade des poissons. Que dalle. Rien à foutre avec des poissons. J'ai une dalle. Mais une dalle. Je me suis gavé de surimi, mais j'ai quand même faim. Si vous savez ce que c'est des surimi, c'est des petits bâtonnets avec de la chair de crabe. Après j'ai... Dans mes souvenirs, j'avais déjà mangé du... Avec du wasabi dessus, c'est... délicieux. Vous verrez aussi que je suis un gros amateur de bouffe, en général. Allez, tais-toi. Armure de fourrure. C'est mieux. Oh, coucou toi. Ah oui, c'est nettement mieux. Plus la classe. Merci toi.
flèche dans la nuit. Des choux. Moi j'aime les choux. Champignons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ta mère. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je te coupe la tête. Mais en slip. Alors, est-ce qu'elle est mieux? Une petite flèche pour me dire que c'est mieux. Ça veut dire que c'est mieux. J'adore les portes qui sont. Porto, c'est espace. Ah non, c'est Espadon. Pourquoi je dis toujours Esperon? Espadon. Comme le poisson, au final. Si, les Espadons. C'est les poissons avec la... Allez, vas-y. Filon de fer. Moi, du coup, pour ma hache, ce serait de l'acier qu'il me faut. Allez, pioche, pioche. Pioche plus vite. Ouais, au début, il faut beaucoup miner. Puis vers la fin, bah, tu t'en bats complètement les couilles. À part pour les bonites et l'or. Je dois prendre que ça, là. Parce qu'au début, les matières premières sont... Après, comme dans tous les jeux, vous me direz, mais... Personne ne m'a... t'as dit quoi? Ta gueule! Oh, mais ça chatouille. Oh, mais ça chatouille aussi. Bon, j'ai pas perdu à l'arc, ça. J'ai pas la visée encore. J'aurais 2-3 points à mettre dans l'arc. Ça. Alors, Espadon. C'est bon ça. Épée d'acier. Est-ce que je peux crafter? Ah, il n'y a pas 9 chevaliers de tannage du coup. Eh non, il n'y en a pas. Putain. Champignons, moi je veux des champignons. Ah, je l'ai vu celui-là. Bon, du coup, j'ai gagné un point de compétence. Je pense que je vais encore prendre. Lourde. Activité. Alors. Alors.
assez potable pour le début. Le pot à caca. Qui veut un pot à caca? J'ai un pot à caca. C'est gratuit. Oh, qui c'est qui veut mon pot à caca? Tu veux le pot à caca? Mais je veux pas... Je veux pas le pot à caca. Il est où le... Sois merde. La pinou. 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 Du pain. Tu veux du pain? Tu veux du pain? J'aime le pain. Tu veux pas du pain? Sous. Un coffre. Tout ça se vend. Tout se vend. On se jette. Non, dégage, dégage. On continue. Pommes de terre. Ah, bug de merde. Je déteste ça. En fait, ça mine rien. Pour plein de trucs. Hein. Ah bah si, on peut. Ah le con. Le mec un peu teubé. Là, je crois me souvenir qu'il y a... ces trucs. Pardon. Encore de passer pour un thème. Remarquez, je rentre dans mon perso. Les Norniques sont tombés. En fait, j'y pense, il a quoi comme habit? Merde, je croyais que c'était 40, moi. Ah oui, cri de guerre. Il cible le fût pendant 30. On va tester ça. Y'a plus rien. Wouhou. Magnifique, c'était. L'attaque peut réussir et annule toujours la parade de l'adversaire et le déstabilise. Ouais, sauf qu'il y a putain de bouclier et que toi tu peux pas taper parce qu'il te... La guerre détermine l'échec ou la limite de votre furtivité. Oui, la mort. Alors... Déjà je vais aller récolter les champignons. Oh, donnez-moi les champignons. Oh putain. Ça c'est pour moi les gars.
ça. Ah mais attends, si je vais pas le déposer. Il y a une route au passage. Bizarre s'il te plaît. Une bidule. C'est les libellules que je joue. Tiens là, c'est ça là. Y a pas des loups. Il y en a plein, non? Oh, mais je crois que c'était un loup. Et c'était un loup. Viens là, mon gars. Il y en a d'autres. Je vous pisse tous dessus. Genre, le loup, il avait une... Ils sont sérieux, là? Attends, mais ça bouffe n'importe quoi, ces bestioles. Fêter du jeu. La nocturnelle. Non, non, viens là. Oui. Ça, je vous montrerai par la suite à quoi ça sert. C'est juste trop bon. Les ailes de Noël. En fait, ça sert juste à faire des potions d'invisible. Le truc, c'est que je fais des potions d'invisibilité par courtoisie. C'est une phrase à la con. Bref. Et en fait, je l'utilise jamais parce que je suis tellement furtif, j'ai même plus besoin de devenir invisible. Par 4 forces majeures ou si un dragon. Du coup, je les vends. Beaucoup de sous. Bon, moi, j'aimerais bien aller à la cabane. Cabane. C'est par là, je vais tomber à 20. Afkad. Peut-être ça passe. Il manque que ça passe. Oui. Il a fait un bond en avant, mon gars. Est-ce que j'ai récolté? Oui, j'ai récolté. Alors. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme. Ne vous embêtez pas pour moi. Oh, mais je m'embête pas. Pose en paix, vieille bique. Je te vole tes pommes de terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, t'es bien là, t'es posé. Bon truc toi. T'es chaud. Moi j'aime les chauds. Pinou. Soupe de légumes. Ah oui, je vous mettrai une liste des ingrédients les plus pétés du jeu. Parce que j'aime beaucoup l'alchimie. Alors ça paraît pas, mais les ingrédients, les trucs que... Bon, à part un seul qui est assez chiant à trouver, l'orteil de géant. Mais les plantes grimpantes, le blé et les orteils de géant, ça vous montre l'alchimie, mais à une vitesse. Je vous montrerai la potion que ça fait quand j'aurai les trois. Mais c'est juste monstrueux. Et la potion se vend à plus de 1000 pièces d'or. C'est un pote qui m'avait dit ça, j'ai essayé, j'ai fait « Ah ouais !» Après, la potion, elle donne du renfort de portage, ça améliore votre santé, ça vous donne de la santé et une résistance à, je sais pas. Et genre, trop pété. Et quand vous fabriquez la potion, bah, ça vous monte presque d'un niveau d'un coup... Ah merde, je l'ai fait.
signe de canis. Là, trop d'années. Blablabla. Est-ce que je peux... Oui, je peux désenchanter. De toute façon, au début du jeu, il n'y a pas grand-chose. Ça, je m'en doute bien. Qu'est-ce que j'ai ? Ah bah je peux faire. Je crois que j'ai de la mire de route. Hop là, invisibilité. Qu'est-ce qu'on a ? Non. Grelot de la mort. Et truc qu'on a tout le temps. Voilà. Longueur. Est-ce que j'ai des pieds de lutin ? Non, j'ai pas de pied de lutin. C'est qu'autre chose si je m'en souviens. Merde, j'en ai. Paralysie, racine de Ganis, pied de lutin. Mieux que les cours de maths, mon gars. Bon. Belle cette hache en plus. Tous les coups des champignons. Champignons. Et là, il y a Rivebois. Il y a un lapin qui est passé. Et là, il y a un putain de coffre. Putain, mais c'est la fête! C'est carrément la fête! Déconner. Il est fortement, il s'est une tenue, il va pas te voir. Oh, des moustiques. Non, revenez les gars. Bon, mais tant pis. Là-dessus, et oui, sinon ça va être chiant à upload. Putain, bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro numéro 4. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à l'épisode numéro 4. Allez, ciao tout le monde.